sympathique de sa part de venir ici à la salle Victor Hugo à Oudin. Voilà, on est en un petit peu musical, oui. Bonjour Stéphane, vous voyez en deux. Alors je vais passer le micro à Stéphane, lui-même qui va vous dire bon, tout de suite à froid comme ça. Non mais il a une grosse fourrure, hein, ici tout chaud, hein, Stéphane. Non mais depuis 2h cet après-midi, depuis que je suis levé, j'écoute Radio Horizon, j'ai constaté qu'il n'y avait que des amis, je ne vais pas les énumérer tous. Alors je dis, tiens, je vais en profiter pour présenter mes voeux de bonne et heureuse année à tous. C'est vrai, ça va nous manquer. Si jamais Stéphane y arrête, ça nous manquera de tout. Vous lui dites quand même, Stéphane, c'était les adieux le mardi. C'était les adieux le mardi. Bah, j'ai déploré que Radio Horizon n'était pas là, c'est dommage. Il y avait beaucoup de monde, il y avait en France l'orchestre Bajassi qui était là. Il manquait Radio Horizon 62, mais enfin, tout le monde ne peut pas être là. Il faut avouer que d'abord, le jour ne convenait peut-être pas, c'était le 1er janvier, on a beaucoup qui sont restés par des obligations familiales, et puis peut-être par des crises de foi aussi. Hein. Non, non, c'était pas mon cas. Non, pas du tout. Bon, enfin, c'était une très belle soirée, ça s'est terminé en apothéose, c'était très bien. Parfait. Merci. Bien, on a donné encore une fois Stéphane qui va faire la vérité à la table de l'honneur. Alors maintenant, je vais vous parler aussi du jour de la messe. Donc, je vais vous François Dundet qui est là. Alors, c'est à lui, et bon, bah, je vais passer le micro. Peut-être qu'il y a une ou deux questions à poser à Marcel et bien Hervé. Ben, je voudrais leur demander comment ils ont posé notre studio d'enregistrement. Sur mer. Comment on a trouvé le studio d'enregistrement à Bonne-sur-Mer? Et je crois que c'est M. Macron qui va faire une septième carrière à Boulogne-sur-Mer. Bon, mais c'est vrai que si c'est grâce à M. Macron, c'est lui qui nous a amené au studio. Hein. C'est lui qui a amené le studio, M. Macron. Merci bien. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous une question originale. Comment est-ce que vous avez trouvé notre studio de Boulogne-sur-Mer? Et bien, parce que ça fait 4 cassettes qu'on a enregistrées là-bas. On a enregistré une dans le nouveau et deux dans l'ancien. Le nouveau, le bon, il y a bien d'autres personnes ici. Hein. Alors voilà, ça va être beaucoup de famille. Alors, à qui vous êtes, 22 ans, je vous ai dit, Yeah.
l'accueil du club Étudio Gina, tout l'ensemble de Marcel Hervé Bazinski. Bien, c'est vrai qu'ils doivent repartir, et ils ont encore du chemin à faire, 150 km. Donc, pour clôturer cette émission, car nous, on va rester ici, oui, on va rester ici jusqu'à 20h, à peu près. Mais le mot de la fin, je vais laisser à Marcel, toutes les musiciens. Bien, et alors, la question à Stéphane, là, ça change de chanter avec la famille de la musique. Ben, surtout pour y arriver comme ça, ça change beaucoup. Hein. Enfin, je suis très content d'être avec vous, du succès que m'apporte l'orchestre d'Alvesky, parce que je crois qu'il répond à un certain besoin d'une certaine population d'origine polonaise qui a besoin de cette musique. Et je trouve qu'ils sont dans la bonne voie, qui continuent, et ils ont encore de nombreuses années, de belles années devant eux. Bien, ça c'est encore un encouragement de la part de Stéphane et de Charles Bouillac. Alors, encore une question, puisque bon, la toute dernière, Stéphane, hein, puisque bon, Stéphane, il a été au Moussi, mais vous continuez toujours à avec vos listes. Enfin, pour l'instant, je continue, parce que l'orchestre continuera même sans moi. Pour l'instant, je continue encore le chanter, les samedis pour assurer les contrats qui sont faits par la route. En face, je suis très loin de la rétotale. Enfin, les disques vont continuer à le faire, tant que ça pourra marcher, tant que les partisans du produit personnel, nous allons faire des listes, il y en a un en préparation déjà. Et je pense qu'il sortira même peut-être plus tôt que d'habitude. Voilà. On applaudit Stéphane. Bien. Alors, pour clôturer cette émission.